entre la rue Blomet et la rue Carcel, et à proximité de l'église Saint-Lambert de Vaugirard, un petit immeuble nécessite une reprise en profondeur de sa couverture en zinc. On commence par décrapouiller, un terme de métier qui désigne toutes les étapes de la préparation du toit. Les vieilles feuilles de zinc sont arrachées et pliées. Elles seront descendues au treuil et recyclées. Les vieilles voliges sont arrachées une à une au pied de biche. Tiens, un vieux journal. Le matin, 1er septembre 1935. Alors, il parle du canal de Suez. Ben ça, c'est un message des coureurs du passé. Laisser un journal sous les combles à la fin d'un chantier est l'expression d'une confraternité dans le temps. Le salut des couvreurs à ceux des générations suivantes. Hop ! La vieille volige, sciée et mise en fagot, est destinée à la benne. Après la préparation du toit vient une étape cruciale. La pose de l'isolant Actis trisotoiture. La première phase consiste à déplier et étendre la couche de sous-toiture trisohydrique. Elle est dotée d'un isolant réflecteur alvéolaire. On fait ce système, on passe entre les chevrons avec l'Actis pour emprisonner l'air. Après, on suit toute la forme des chevrons. Frédéric et Julien tendent, lissent et clouent l'isolant le long des chevrons de la charpente. Vu de l'intérieur des combles, on découvre la face interne par vapeur du trisohydrique. Autre qualité non négligeable de l'isolant Actis trisotoiture, il se découpe sans difficulté avec de bons ciseaux et ne produit aucune fibre résistante. Donc on voit tout ce qu'il y a dedans. En séparant les deux pièces après leur découpe, on aperçoit la structure multicouche et alvéolaire du trisohydrique. Grâce à sa souplesse, le trisohybride épouse parfaitement la matrice de la charpente. Les talons des chevrons sont emballés comme des paquets cadeaux. La languette adhésive intégrée permet un recouvrement des deux pièces de trisohybride et assure une parfaite étanchéité. La pose de cette première couche de trisotoiture d'Actis a été parfaitement réalisée. L'esthétique de l'ensemble va de pair avec les performances énergétiques. Bonjour Julien. Bonjour, tu vas bien? Ça va, merci. Merci de m'accueillir sur ton chantier. Quelle belle journée. C'est une belle journée pour Paris. Hein. Ah oui, c'est le jour parfait. Bonjour Fred, de loin. Bonjour Gabriel. Ça va? Ça va et toi? Impec. Julien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce beau chantier? Alors, on est sur un chantier brisé ardoise et terrasson zinc. Avant, il n'y avait aucune isolation. Et là, on pose le trisotoiture sur toute la couverture. Quel est ton ressenti par rapport à ce produit? C'est un produit assez léger, souple et facile à mettre en pose. Et du coup, est-ce que ça représente un gain de temps pour toi sur tes chantiers? Ça représente un gain de temps non négligeable sur chaque chantier. Moi, je sens que quand je manipule et que je pose ce produit, je pose vraiment un produit de qualité. Ça assure l'étanchéité et l'isolation. L'étape suivante consiste à poser la seconde couche du trisotoiture d'Actis. Il s'agit du booster hybride. Afin de bien tendre l'isolant par-dessus les chevrons, Frédéric détache la languette pour coller la partie basse sur toute la longueur de la bande de solin en zinc. Le booster hybride permet toi de respirer tout en assurant une totale imperméabilité grâce à l'écran parti de sa face externe. Oh, est plutôt simple à poser celle-là. C'est juste à l'attendre. Après avoir posé le booster hybride, il s'agit de clouer des chevrons neufs par-dessus les chevrons de la charpente. Ils serviront de support à la volie. Là, on a créé une poche d'air hermétique entre la première et la deuxième couche. Et là, avec le 6-4 qu'on pose, on est en train de créer une lame d'air. Cette lame d'air permettra de ventiler la toiture et de maintenir ainsi les performances énergétiques de l'isolant Actis.
le booster hybride se découpe sans difficulté. Sa structure alvéolaire lui confère des performances d'isolation élevées, stables et durables. Ça y est, on y est là, Julien. Ouais, le dernier là. C'est assez difficile, ouais, mais ça reste un bel ouvrage. Il ne reste plus qu'à mettre la volige. La volige et les tasseaux viennent d'être posés sur une partie du pan de toit. Frédéric prend les mesures des dernières feuilles de zinc à préparer. C'est le calpinage. C'est dans l'atelier, installé dans la cour de l'immeuble, que trône la table à plier le zinc. La tracette crantée permet de marquer la hauteur des reliefs à venir. Les mesures prises sur le toit sont reportées sur la feuille de zinc. Le coulisseau sert de règle pour marquer la ligne de découpe. Quand la cisaille Pélican entre en action, la main expérimentée de Frédéric est sûre de son geste. La feuille de zinc est glissée entre les mâchoires plates de la table à plier. Il en sort des reliefs ou des agrafures. La pièce sur mesure est prête pour la pose. Elle s'ajuste parfaitement. La soudure barrée, dite aussi à côte, nécessite un savoir-faire que Julien maîtrise parfaitement. Ce triangle en légère avancée a été magnifiquement réalisé dans les moindres détails, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les feuilles de zinc zébrées par les couvre-joints confèrent au toit de Paris leur beauté et leur identité séculaire. Mais la grande innovation de cette toiture restera son isolation avec le triso-toiture d'Actis. Chaque jour, les toits de Paris contribuent un peu plus aux économies d'énergie et au respect des accords de Paris sur le climat.